Zelden. Donc Zelden, c'est une piste qui est assez impressionnante parce que c'est assez vallonné sur le haut, parce qu'ensuite il y a un grand mur d'une douzaine de portes. Et c'est assez rare à trouver sur les glaciers pendant l'été ou même à Ushuaia. Et Zelden, c'est aussi quelque chose qui est assez mythique de par l'ambiance, de par le monde. Vitesse, c'est quelque chose de complémentaire, c'est quelque chose qui me permet de pousser mes limites et de m'améliorer dans les disciplines techniques, donc c'est vraiment très intéressant. Le faire en objectif principal, je pense que j'en ai pas fait assez cet été, mais les jeux en super combiné, ça va être un véritable objectif, donc effectivement, ça passe par la vitesse. La présence de Tessa, c'est d'abord l'une de mes meilleures amies, donc c'est toujours un plaisir de l'avoir à côté de moi pendant la préparation et pendant l'hiver. Je pense que c'est une personne qui est simple, une vraie championne, donc qui a le mérite de nous galvaniser lors des entraînements, même quand c'est un peu dur ou quoi que ce soit. Après, il s'avère que si elle a trop d'avance sur nous, ça peut devenir pénalisant parce qu'on se dit, bon, bah là, on est quand même à l'arrache. En revanche, si on peut la titiller un peu, effectivement, on part avec de nouveaux objectifs lors des Coupes du Monde et ça devient intéressant.